Il ça, a ça. Moi j'ai choisi Magento. D'autres ont choisi PrestaShop. Oui. Magento est une plateforme recommandable à partir du moment où on se donne les moyens de la travailler aussi. Oui. C'est une plateforme très technique, très exigeante en termes d'applicatifs. Donc c'est une plateforme à surveiller. Il faut un partenaire de qualité. Il faut ne pas hésiter à faire progresser. Cette plateforme évolue. Il y a beaucoup de modules externes. Donc c'est à la fois sa richesse et sa difficulté. Magento n'est pas fait pour des sites de petite taille ou des petits entrepreneurs. Demandware non plus. Voilà, c'est plutôt PrestaShop pour ce genre-là. Ouais. C'est plus simple à mettre en œuvre, c'est moins technique, ça demande moins d'implications vraiment techniques, je réitère ce terme, c'est vraiment important. Et malgré tout, ça fournit un service minimal. Mais c'est limité par, encore une fois, les outils merchandising possibles, par la qualité de l'offre, sa mise en œuvre, par même la qualité du référencement naturel, par les modules externes qui n'existent pas à un moment donné, donc forcément on ne pourra pas tellement progresser. Voilà. Puis après, donc, il y a l'adjonction de modules. Ça limite la taille du site aussi. Après, il y a l'adjonction de modules. Ouais. Il y en a qui sont très dynamiques dans l'adjonction de nouveaux modules, ce qu'on appelle les add-ons dans la plateforme. Et donc là, il faut se tenir au courant. La plateforme, c'est important, mais pas que la plateforme, c'est savoir comment elle évolue dans le temps. Est-ce qu'il y a des clubs clients pour pouvoir diffuser un peu la nouveauté. Il faut voir si ses partenaires aussi sont d'accord et comprennent cette plateforme et peuvent l'utiliser. C'est pas aussi simple. Ça intervient aussi beaucoup, ça. Ouais.